Laetitia Hallyday et ses filles Jade et Joy ont retrouvé Emmanuel Philibert de Savoie pour fêter Noël avant l'heure. Laetitia Hallyday fête Noël avant l'heure. La femme de Johnny Hallyday a rejoint son ami Emmanuel Philibert de Savoie autour du sapin, comme elle l'a dévoilé sur Instagram. Entourée de ses filles et de les gens qu'elle aime, Laetitia Hallyday s'est posée près du sapin et a ouvert ses cadeaux. Des moments chaleureux, qui ont donné le sourire à la veuve du rocker. Sur les vidéos partagées sur Instagram, les proches de Laetitia Hallyday ouvrent leurs cadeaux aux quatre coins de la pièce. On aperçoit notamment Emmanuel Philibert de Savoie, ami du couple et papa de Victoria de Savoie et Louisa de Savoie, âgé de 16 et de 13 ans, fruit de son amour pour la comédienne Clotilde Courau. Le prince de Venise et de Piémont, âgé de 47 ans, avait rencontré Johnny Hallyday après un concert à Genève grâce à un ami en commun, et ne s'était plus quitté depuis. Une belle amitié qui perdure à travers Laetitia Hallyday, et ses deux filles. Jeudi 7 novembre, Laetitia Hallyday s'est mise au fourneau et avait justement cuisiné un célèbre plat vietnamien en compagnie de son ami Emmanuel Philibert de Savoie. Début décembre, Laetitia Hallyday repassait par la case tatoueur. Et désormais, elle arbore 5 étoiles au poignet gauche, comme elle l'avait dévoilé sur Instagram. Laetitia Hallyday est une habituée des tatouages, toujours noire. Car noir si est in noir comme disait son mari, à qui elle a dédié un de ses autres tatouages, un simple Johnny inscrit au creux de son triceps gauche. Son homme, Laetitia l'a dans la peau.